1989, avec le couple numéro 1 du Casino Théâtre, Jojemi et Irène Vigny, ainsi que Régulian et les Zéro Girls, le duo musical Gislaine et Gilbert, dans Y'a pas le feu, une revue de Trinquedou. D'ores et déjà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée. Place au théâtre. Les voyageurs pour le Chocho Zéro 89 sont priés d'attacher leur ceinture. L'équipage vous souhaite un bon décollage. Pour l'atterrissage, on en reparlera. Le temps de mettre la main sur les parachutes. Attention, le moulin est chauffé à bloc. Démarrage sur les ailes garanti. Cramponnez-vous, ça va foncer. 3, 2, 1, 0, partez, feu!
banquet? Ouais. Ouais. Oui ou non? Oui. Ah bon, une fois que vous pouvez l'ouvrir, allez-y. Oui, j'ai plein de beaux dames. Madame Gorgi! Et Madame Gorgi! Que bon là! Oh, alors mais que je suis drôlement gnolé, hein! Mais d'habitude, on arrête toujours en même temps, hein! Oh, elle a sûrement dû hésiter en bonne bourgeoise à franchir la frontière du côté de Versoix. J'ai mon passeport, j'ai mis à nu. Mais qu'est-ce que vous foutez, ma sœur, en bas, vous zig? Je finis mon dessert, ça vous gêne? Oh là là, absolument, parce que mes écoles, hein, je suis venu pour batailler avec vous, alors. Ça vous atteindrait, il n'y a pas le feu. Alors ça, c'est quelque chose, hein, de bleu. Oh non, alors dites-donc, hein, hey, les Vaudois, vous n'êtes jamais pressés, hein. On n'est pas des citrons, hein, puis de toute façon, on n'arrivera tous à Saint-Bleu-Nouvel, là, alors c'est pas la peine. Dis, garçon, bon, c'est ma chaîne, garçon, la vision. Ah non, la vision, vous n'allez quand même pas payer maintenant, non. Garçon, rectification, je paye pas maintenant, c'est lui qui veut payer plus tard. Alors, hein, on peut dire que vous vivez au crochet des hommes. Hein. Mais parce que vous appelez ça un crochet, vous? Oh, non, non, non seulement vous arrivez en retard, vous êtes lubrique, alors ça suffit comme ça, hein. Mon bonheur irradiant et décontracté vous dérange? Ouais, on a déjà assez de problèmes par Genève, hein, sans que vous veniez encore nous taper sur le système. Oh, mon pauvre ami, qu'est-ce qui va pas? Tout, oh, on vit une époque, je vous jure. Tenez, tenez des impôts, hein. On paye un maximum, hein. Mais vous savez ce qu'ils en font? Des trous partout. Dans la rue pour y tomber, ben la ceinture pour se la serrer. Oui, pas ça d'ici, le gouffre de l'État plein qui est dans votre gaine des rubans. Attention. Technique la guerre. Alors moi, la seule technique que je connaisse côté guerre, c'est quand je dois la mettre. Alors, mais zig, hein, c'est quand il faudra l'enlever. Hein. Dis donc, vous avez les doigts plus baladeurs que les pieds. Hein. Surtout quand je suis assis. Bien, Signolu, entre nous, votre ville est complètement ravagée. Eh ben alors, toujours entre nous, hein, votre présence, ça arrange rien. C'est ma présence qui vous empêche de traverser la rade. Taisez-vous, hein. Aujourd'hui on arrive à marcher sur la lune, hein, puis on sait encore pas comment passer d'une rive à l'autre. Mais à Lausanne, on a toujours eu moins d'ambition. On se contente d'un seul côté du lac de Genève. Couille? Qu'est-ce que mais c'est ce qu'on a entendu, Mme Gorgi? Vous dites plus lac les mains? Non. Il est tellement pollué qu'il vaut mieux l'appeler lac de Genève. Mais c'est pas la Venoge qui arrange les choses, hein. Ben, c'est devenu un vrai cloaque, la Venoge. Oh, pauvre Gilles. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, non, par là, j'entends rien, hein. Je sens. Ben, moi, j'entends entendu dire que par Genève, les cheneviers marcheraient mieux que sécheront. Non, non. La seule usine que les lourbines nous ont pas encore achetée, c'est celle d'incinération des ordures. Oui, probablement, mais ils veulent pas être confondus avec la marchandise. Ouais. En tout cas, Jacques Vernet, il n'en sera pas le directeur. Vous croyez allergique aux ordures? Sûrement, hein. Puis ça lui flanquerait un cerne sous les yeux. Il est bon, celle-là. Cerne, il a pu nous passer sous le nez, pour Jean-Paul. Peut-être à cause de l'office d'allocation personnes âgées. Ouais, depuis 2 ans, hein, le service, il était complètement rouillé. Hein. Ouais, les personnes, ils attendaient leur pognon. Ben alors, le Jacques Vernet, il faisait des promesses verbales. Oui, c'était devenu l'office. D'allocution? Ouais. Ah, pour causer, ils sont toujours là, cette bande de taquenets. Regardez le Vélozère, hein. D'habitude, quand il fait des discours, ils sont tellement longs et courts, hein, que quand on les résume, ça fait comme une espèce de silence. Mais quel chemin vous faites?
qui joue mes esgourdes. Hein. Regardez, l'autre jour, le Vélozère, il s'est contenté de dire trois mots dans un discours. Hein. Eh bien, tout le monde l'a écouté. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Genève se ridiculise. En voilà un qui est lucide. Oui, oui, vous, vous êtes vaudoise, alors c'est votre nature à me débloquer. Mais lui, il est d'ici, hein, Vélozère. Ben, j'ai vu une photo hein, où il est en train d'expérimenter un extincteur subventionné. Ah, mais il se dirigeait contre lui, l'extincteur. Non, pourquoi? L'engin, hein, il aurait pu lui éteindre sa soif. Il aurait pu les moins vite en faisant l'effet. Du vrai? Ouais, 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 après tout, j'endrais nos finances, hein, ça finir par compter. Ouais, comment, par milliards, hein? Mais s'embâtit avec la grosse tête? Non, avec la grosse caisse. Et celle de la municipale de Carouge. Mais alors, qu'est-ce qui va rester? Ben, le volmi! Avec son sourire permanent, il est content où il est. Et maître, hein, maître, alors il reste rien que pour enquiquiner le gros bête. Alors le gros bête, lui, il se cramponne rien que pour encrasser ses détracteurs qui n'ont pas réussi à le fourguer à Berne. Mais il y a peut-être pour gros bête encore un ou deux toboggans à inaugurer. Oui, alors dites pas du mal du Bernard Ziegler, hein, parce que grâce à lui, les Savoyards, hein, ils peuvent plus nous refaire le coup de l'escalade. Hein. C'est un beau gant, puis on leur ferait-il peur? Oh! Oh, tu parles, Bibi. Un 74 ou un 01 qui aurait la trouille des gampions, ben, ils rouleraient normalement, non? Non, mais aujourd'hui, hein, si les Savoyards nous attaquaient, ils se laisseraient tous prendre dans les traquenards du bourg de Fou. Dis donc, monsieur Gnolu, ça sentirait pas déjà un peu les élections par chez vous? Je vous le fais pas dire, hein. Eddy et Gosse, ils sont déjà sur la ligne de départ. Vous avez un prématuré en politique? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé d'un gosse. Guy Olivier Second, gosse. Et alors il paraît que Fézig, hein, il en veut, hein. Puis il paraîtrait même qu'il aurait un plus par rapport aux autres. Mais lequel? Il serait capable. De tout? Faut pas exagérer, hein. Faudrait pas le confondre avec le Hanscop. Cette pauvre Elisabeth, elle a pas eu de chance. Elle avait qu'à mieux choisir son mari. Un mafiosi pareil. Dis-donc, lui qui vaut pas un rond, le mettre dans une machine à laver, il leur sortirait propre comme un soulage. Ouais, alors faut le rester la machine. Hein. Non, mais je vois pas tellement pourquoi les autres nous reprochent de blanchir l'argent sale. On a toujours été pour la propreté en Suisse. Ouais, mais je vais vous dire une bonne chose, Mme Gorgi. Mais que je préfère être honnête que propre. Hein. Parce qu'avec mes principes d'honnêteté, je vais pas me dire riche, hein. Mais je m'en vante. Hein. Et puis alors, avec, je peux survivre avec moins de 100 000 francs par mois. Hein. Ah oui! Alors le seul code dans lequel j'ai quelque chose, hein, ben, c'est le code ma bagnole. Monsieur Lelume, vous savez pourquoi on n'a pas ramassé de médaille d'or à Séoul? Oh, c'était parce que les médailles, elles n'avaient pas la forme de lingots. Non, parce que l'or, on va pas le chercher, c'est les autres qui nous l'amènent. Ces Jeux olympiques de Lausanne, ça se prépare? Vous vous payez ma tête ou quoi? La descente du petit chêne en bombe, hein, ça aurait été grandiose. Oh, pas de jaloux, on a déjà. Oh, il paraît que ces danseurs, ils passent leur temps à sauter en l'air. Sauter
Gamelin, c'est une chorégraphie du 20e siècle. Oh, pas du tout. C'est pour qu'on puisse les voir depuis la salle. J'ai été voir Michel Claxon. C'est ça? Michel Claxon! C'est lui qui sait faire faire le nez pour mieux chanter. Mais non, mais non! Michael Jackson! Oui, ben, je l'ai vu de près. Ouais, puis j'ai pas enfui. De toutes les femmes. Ah, des femmes? Ouais. Mais de l'autre côté. Alors, je vais vous dire une bonne chose, Mme Garagui. Tenez. Alors, je prends un exemple, alors, au hasard. Hein. La Cicciolina. Vous connaissez la Cicciolina? Ben, si elle savait que j'existe, elle plaquerait tout pour venir m'admirer. Mais c'est normal, le Norab Cochon est attiré par les jambons sur pied. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'aime pas beaucoup ce que vous venez de dire. Vous avez vu que les médecins prennent plus de temps à ausculter une femme qu'un homme? C'est normal, vous êtes plus compliqué. Ou plus délicat. Une auscultation chez vous, hein, ça ressemblerait à un parcours du combattant. De toute façon, le combattant est fini, toujours pas tombé dans le piège. C'est ce qui fait notre malheur. Y en a une qui est en train de faire du mal partout. Non, qui ça? Une grenouille. Nommée Teria. Teria? J'ai jamais entendu cause. Mais sa petite nain, c'est Alice. Mais une teigne. Même qu'elle s'acharne avec Copine à protéger notre pauvre vache du monde. Oh, le malheur. On le soigne, il rechute. Et puis tout ça à cause de qui? La liste Teria. Mais c'est pas une panne, la liste Teria. Alors si c'est une homme, elle a pris un drôle de nom. En tout cas, hein, votre from J, il est plus très catholique à force d'être pasteur isé. Mais non, ça, il a fini par ressembler à un douanier de chez nous. Oh là, je vois pas le rapport. Ah, vous les trouvez cool, là, mon douanier? Oh. Non, mais je trouve qu'il laisse rentrer trop de monde. Trop de monde? Mais oui, mais c'est injuste, nos immigrants suisses. On doit passer des examens, des concours, des tests, un permis, tout en chenille. Tandis que les aérois et les turcs, hein, il leur suffit de passer la frontière. Alors, en Gauloir, ils sont mal bien chez eux. Oh non, 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 là, quand même un truc, ils jouent pas, Mme Garagui. Quand dans un pays, il y a un dictateur, il nous envoie ses économies et ses réfugiés. Mais ces écronocrates, hein, c'est jamais pour payer ses réfugiés. Qui ne veulent pas. Tiens. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, là? Hein? Moi, j'ai pas de combine dans. Ah oui? Qu'est-ce que tu me dis, là? Oui, mais c'est ça, moi, je vois terrible. Moi, je voudrais mouiller la menteuse, là, je sais pas, moi. Au moins, alors, un petit gandal, pas plus. Hein. Quelle horreur! Quoi, mais non? Non, dis donc, vous allez quand même pas avoir du vin suisse. Pourquoi pas? Mais parce qu'en France, on les a testés, ils sont tellement bourrés de sucre qu'on les croirait directement pas avec des betteraves. Du sucre, c'est normal. Vous voulez quand même pas qu'on y ajoute du cénobis? Non, mais je constate qu'en Suisse, la course au pognon est telle que même le vin se sucre. À quoi? Il était mis en bouteille par Yurchemi. Et bouchonné par Quetraire. Allez, bien, bonne. Non, mais dis donc. Dites-moi, va. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, ma femme? Oh, oui, ma bête. Oh, oui, alors. Eh bien, ce qu'il y a dedans, c'est un thermos de thé sucré. Vous êtes grippé? Les anglais portent du thé, ils sont pas grippés en permanence. Non, mais ils sont anglais en permanence. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pleine de journaux. Ah oui, c'est un jeu.
temps en temps, je m'amuse à fourrer dans mon sac la Suisse, la Julie, puis le matin. Ah, oui, les médias qui vivent dans la sérénité la plus harmonieuse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme je leur mets pas de muselière, le soir, j'en sors des boulettes. Alors, les gars, j'ai aimé. J'ai mis le GAC et jeudi sport et loisirs. Ah, GAC, et puis ils s'entendent bien. Oh, vous vous rendez pas compte, c'est l'idylle. Même quand c'est jour, je suis sûre, hein, ils auront faim petit. Et votre thé, il va faire des thés, oui ou non? Vous voyez que vous y venez. Oh, ben, je vous avouerai franchement, hein, je suis en train de déclencher le plan hors sec. Alors, santé. Avec thé. On aurait bien le temps de boire à la santé quelque chose. Oui, alors, on pourrait boire à ma santé parce que je commence ma campagne électorale. Hein. Allez, salut, Daisy. Ça va? Ça va? Non, c'est pas fini, attendez. Pense à moi, hein. Vote pour Mézig, hein. Ouais, tu verras, tout ira bien, je vous trouverai des avantages, hein. Ah, mais alors, tout ira pour le mieux. Il y aura moins d'impôts, et puis tout sera plus beau, hein. Mais votez pour Mézig, hein. Alors, hein. Où êtes-vous? Ici. Mais où allez-vous? Au vestiaire. Quoi faire? Prendre une veste. Qui c'est qui est en mer? Pété, oui.
alimenté par ces gueux larçons. Mais taisez-vous. Non, non, Mme Bagui, je veux parler. Bah, vous avez raison, parce que nous voir qui c'est comme le Lutzeberg bouché, ça a plus à raisonner. Alors, si ça vous ennuie pas, je rouvre ma transversale. Côté PTT, le baignol, il est consistant. Mais avec une seule tournée par jour, ils viennent encore nous parler d'un facteur de renchérissement. Il y a une petite devinette. Ouais. Qu'est-ce qui coûte plus cher qu'un diamant envoyé express? La taxe des PTT pour l'envoyer. Oh. Alors, question finance, hein? Notre hôpital cantonal, il va pas mal non plus, hein? Il paraît que c'est devenu une machine à sous. Là, je demande des précisions. Oh, c'est bien ça. Quand t'arrives, hein, suivant la quantité de pognon que tu glisses à l'entrée, la porte, elle s'ouvre ou elle reste coincée. Ouais, en tout cas, quand j'ai payé ma prime d'assurance maladie, j'ai plus assez d'argent pour tomber malade. Ah, l'hôpital cantonal, on est soigné aux petits oignons, hein. Mais alors, quand on en sort, hein, c'est le porte-monnaie qui est à l'agonie, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent ponctionné? Oh, peut-être qu'ils achètent des malades au rabais, des demandes à l'État, non? Mais alors, ils refondent des bénéfices? Oh, alors là, on va vous en faire, hein. Parce qu'il y a toujours des médonicots qui se chargent des écoulés, hein. Bien de les refiler à notre pauvre télé. Oh. Elle est tellement dans la dèche que Chenevière, il a dû fermer le grand studio. Pour Muriel Siki, un lofty, il est suffisant. De quoi, dis quoi? Studio! Mais alors, pour le Maslow, hein, même un qui aurait la superficie de la plaine de plein palais, hein, il serait trop exigu pour ses exigences. Oh, mais de toute façon, on n'a plus besoin de studio, hein. Les séries, ils les achètent toutes faites. Ah, c'est vrai ça. Plus besoin de mètres carrés, parce que les programmes, ils se mesurent en kilomètres. Oui, il y a même des séries qui viennent du Brésil. Oh, dis donc, Mme Bagui, le Brésil. Vous avez vu là-bas, le baby-boom terre et KU des naissances à tire-larigot, là. Et vous savez pourquoi? Oui, oui, parce qu'ils ont pas arrêté de faire des bébés. Non, non, parce que quand le pape, il est au Brésil, hein, il a fait mettre le préservatif à l'index. Et là, je suppose que c'est un jeu de mots. Non, c'est un jeu de mains. Non, à propos de jeune maman Gagné, vous avez pu l'avoir, votre certificat de bonne vie et mœurs. C'est quoi le certificat? Ouais, alors on voit bien que vous n'avez pas pu en avoir, hein. Malhonnête, j'en ai pas besoin. Eh ben, les prostituées, si. Pourquoi faire? Pour pouvoir réintégrer la société. Et j'étais pas dedans? Si, mais dans une position délicate. Ah, comme au football. Pourquoi? Parce que les entraîneurs de football et puis les entraîneurs, c'est du pareil au même. Oh, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non, ce sont deux activités où on finit toujours par se faire baiser. Alors, si vous continuez à causer comme ça, Mme Bagui, vous ne tiendrez jamais votre certificat de bonne fille et meurtre. Oh, non, ça m'est égal, je connais un gaillard qui les vend au rabais. Ah ouais? Puis j'appelle comment se ravager? Un scope. Citoyenne Gagui, ça sent la révolution. Ouais, mais chez nos voisins. Ouais, parce que chez nous, hein. Ça tourne.